Je commence la présentation. Oui, alors bonjour tout le monde. Hein, aujourd'hui, nous entamons le 7e webinaire de SPG Cyber Security Days. Donc, c'est le deuxième aussi webinaire de ForcePoint. Nous avons avec nous Sophie Nheni, hein, Sales Engineer Northwest Africa de ForcePoint. Marhaba bik, Sophie. Marhaba Mariam, merci beaucoup pour cet événement et cette introduction. Alors, je te cède la parole. Merci Mariam. Alors, on a vu dans la précédente session Data Protection, ForcePoint Data Protection, et comment ça peut aider à protéger vos données d'une probable perte ou exfiltration. Aujourd'hui, on continue dans ce genre de présentation, mais pour un produit d'un autre type. Il s'agit de, en fait, on est dans la détection de menaces et la neutralisation des menaces. That protect against threats without detection. Alors, tout est dans le nom. On va essayer de détecter les menaces, les neutraliser sans avoir à utiliser une méthode classique, on va dire, d'analyse ou essayer de détecter la menace. Alors, en fait, juste pour vous dire, ce qu'on va voir, c'est un produit de ForcePoint qu'on appelle CDR, Content Detection and Reconstruction. On l'appelait aussi Threat Removal. On a eu ce produit, en fait, à travers une acquisition qui s'est faite l'année passée. Oui. Je t'arrête. Oui. On voit maintenant un fichier Excel. Hein. On ne voit plus la présentation. Ce n'est pas mon Excel. Ce n'est pas mon Excel. Et là, je vais repartager mon écran. Voilà. Et là? Là, c'est bon. Ouais, peut-être que tu as partagé ton écran par accident. Le principe du CDR ou Threat Removal, c'est simple. Alors, dans notre vie de tous les jours, on est amené à échanger des informations digitales. L'information aujourd'hui, elle n'a d'utilité que si elle est partagée, traitée par plusieurs personnes. Alors, il faudrait s'assurer que c'est les bonnes personnes qui manipulent la bande data au bon moment. Ça, c'est couvert en grande partie par la data protection. Il faut s'assurer aussi que les fichiers qu'on reçoit et qu'on transmet ne sont pas malicieux, ne comportent pas de menaces et ne présentent pas de menaces à mon système d'information. Et justement, c'est dans ce contexte qu'on utilise des technologies comme les antivirus, les anti-malware, l'IPS, qui utilisent des techniques de détection. On a une base connu de malware, on a des signatures, on analyse le fichier ou le trafic pour essayer de trouver un pattern, pour essayer de détecter cette signature qui indique qu'il y a une menace et bloquer cette menace. Tout est basé sur l'analyse. Le problème qui a surgi, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle les zero day, et pour les zero day, le problème, c'est des choses qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, donc on n'a pas de signature, on n'a pas une solution qui peut les arrêter en se basant sur une connaissance préalable. La solution qui est venue, c'est le sandboxing. Le sandboxing, c'est l'exécution, la détonation d'un fichier dans un environnement contrôlé, surveiller son comportement. Et selon ce comportement, on va essayer de détecter des indicateurs d'un comportement malicieux. Les technologies avancent, les techniques d'attaque avancent et les techniques de détection avancent et les attaquants s'adaptent. Donc, on a aussi des méthodes de l'autre côté pour bypasser en fait les sandbox, pour éviter la détection dans un environnement sandbox. Toutes ces technologies-là, on est dans la détection. On surveille, soit on a une base de signature, soit on surveille le comportement. Justement pour détecter ce comportement malicieux et bloquer le fichier. Alors, si on changeait en fait le paradigme, actuellement avec l'explosion des échanges de données,
Qu'est-ce qu'on s'est dit? Et si on démarrait de l'axiome que tout fichier qui arrive chez moi est malicieux? C'est ce que vous entendez sur ce qu'on appelle le Zero Trust, le principe du Zero Trust, qui est sorti la première fois en 2010 à travers une, je pense, une radicative, je ne sais, je ne me rappelle plus le groupe qui a fait sortir ce concept. Mais l'idée, c'est qu'il fallait changer de paradigme et de considérer en fait tout trafic comme malicieux et n'avoir aucune règle en fait de. Aucune autorisation implicite. Et plusieurs technologies sont venues par la suite pour appliquer cette nouvelle notion, parmi lesquelles le CDA. Et le principe, c'est simple, tout fichier qui arrive chez moi, il est malicieux, peu importe sa provenance, peu importe son type. Et à partir de là, ce que je vais faire, je vais faire une extraction des données qui sont utiles, je vais détecter le contenu utile, faire son extraction, et reconstruire, le vérifier tout d'abord, et puis construire un nouveau fichier sain avec zéro contenu malicieux. Peu importe le contenu qui arrive, il passe toujours par la même opération, extraction, vérification, construction d'un nouveau fichier sain. Et là, on a aucun risque de zéro day ou de malware qui transite à travers des fichiers d'Internet ou d'un autre sous-réseau vers mon réseau. Là, c'est la réponse ultime en malware, qu'il soit connu ou non connu. Et en fait, la CDR s'applique très bien sur un grand nombre de fichiers, fichiers Word, tout ce qui est Microsoft Office, PDF, PowerPoint, texte, images, etc. Mais ce n'est pas une solution qu'on applique sur de l'exécutable ou sur des DLL. Donc, ce qu'on aura dans une architecture qui inclut le CDR, Zero Trust CDR, c'est en fait, on va bloquer tout ce qui est fichier qu'on sait qui n'est pas désirable, tels que les DLL, les exécutables, etc. Si on est obligé de les autoriser, donc ils vont passer par une analyse classique anti-malware, sandbox, parce que c'est la technologie qu'il faut. Par contre, pour tout ce qui est Excel, tout ce qui est Word, PDF, on va les faire passer par le CDR pour neutraliser toute menace qui pourrait être intégrée à ces fichiers. Par exemple, on va supprimer tout ce qui est script, on va supprimer tout ce qui est macro. Et on aura à la sortie un fichier sain qu'on pourra utiliser en interne. Alors, comme j'ai dit, le Zero Trust il se base sur l'idée de ne jamais faire confiance et de tout vérifier. Alors à l'époque, enfin, ça demande beaucoup de, comment dire, beaucoup de ressources pour tout analyser. Le problème avec la sécurité, c'est ça a un coût. Ça a un coût en termes d'investissement et ça a un coût en termes de performance. Heureusement, la capacité de calcul évolue et on arrive justement à pouvoir à implémenter ce genre de solution pour tout vérifier, tout analyser. Alors, quand DeepSecure à l'époque, qui est devenu Foxpoint maintenant, voulait partir sur ce chemin-là. L'objectif était de créer une solution. Alors, la solution à la base, elle est software. Elle peut être installée nativement sur le cloud. On peut l'installer on-prem, ce qui est un avantage pour notre région où on n'est pas cloud-friendly. Alors, on-prem, on peut avoir deux options, soit virtuelle. Vous aurez la licence du software, vous l'installez sur votre hardware ou dans votre environnement et vous l'exploitez. Ou dans certains cas, surtout dans ce qu'on appelle cross-domain, surtout dans le domaine militaire et gouvernemental, là où on trouve des réseaux qui sont séparés, généralement l'un dédié à Internet et le deuxième qui est totalement interne. Le problème qui a surgi, c'est que ce n'est pas pratique. On est obligé de les connecter d'une manière ou d'une autre à un moment donné pour justement faire échanger des données.
Ça peut être par un câblage temporaire, ça peut être par la copie des données sur une USB et les mettre sur le réseau interne, ce qui n'est pas vraiment sécurisé. Et des exemples d'attaques qui ont été déclenchées comme ça, ils sont connus. Alors, il y a ce qu'on appelle des solutions de cross-domaine, c'est comment connecter un réseau non sécurisé à un réseau sécurisé en assurant le flux dans une seule direction. Par exemple, du non sécurisé vers le sécurisé, je peux faire des copies de fichiers, mais il n'y a aucune possibilité de faire sortir du fichier du réseau sécurisé. Il nous faut là des appliances qui sont un peu spécifiques, avec dans une architecture un peu spécifique, et on peut implémenter sur cette solution-là la solution, en plus du contrôle du flux, la solution CDR pour justement tout ce qui est quand on copie les fichiers du réseau non sécurisé vers le réseau interne, on assure aussi le threat removal pour avoir des fichiers sains. Alors, le challenge, c'était de créer une solution qui va gérer on va dire, des formats complexes de données. On ne gère pas tout, on ne contrôle pas tout, malheureusement. Actuellement, ce n'est pas possible. C'est en constante évolution. Ça couvre un large format de fichiers, mais ce n'est pas complet à 100%. Et donc, il faut gérer toute cette complexité-là et résister aux attaques sophistiquées. Et en fait, l'objectif, ça aussi, ça a été de construire une solution la plus générale possible qui s'applique au maximum du use case. On ne va pas prendre un use case spécifique dans un environnement, faire la solution, puis essayer de la généraliser. L'idée dès le départ était d'avoir quelque chose de général. Et le challenge majeur, c'était en fait comment la solution fonctionne. Il y a deux phases. Il y a la phase extraction et la phase construction du nouveau fichier. Entre les deux, il y a l'analyse, mais c'est les deux phases majeures. Et justement, pour éviter que s'il y a un problème ou une erreur sur la phase extraction, elle n'influe pas sur la deuxième phase de building. Et entre les deux, en fait, il faut avoir un moyen d'uniformiser tous ces types de données. C'est-à-dire, en fait, DeepSecure, on crée un format intermédiaire. Je reçois d'un côté un fichier Word, un fichier Excel, un PDF. Je vais faire l'extraction des données qui sont transformées dans un fichier format intermédiaire qui est soumis à l'analyse. Et de l'autre côté, il est reçu par la phase building et on transforme ces données-là en output vers un deuxième fichier Excel, PDF ou Word. Et justement, ce fichier-là, enfin ce format-là, doit être, on va dire, simple et efficace dans la mesure où on doit surtout assurer une performance, on va dire un délai presque de zéro. Généralement, surtout dans un trafic email, on peut tolérer quelques millisecondes de latence, ce n'est pas visible, mais quand on traite avec le trafic web, c'est visible chez les clients. L'utilisateur, il est là devant son browser, il attend ce fichier, donc on ne peut pas se permettre on va dire, de large latence. Donc, ça doit être pas immédiat, mais quasi immédiat et avec la meilleure expérience utilisateur possible. C'est une solution qui n'a pas besoin d'être mise à jour. Il n'y a aucune signature. Enfin, on parle des mises à jour, des upgrades de la solution pour l'amélioration de la solution, mais dans le fonctionnement quotidien, on n'a pas besoin de mise à jour. Ce n'est pas comme un antivirus ou un IPS ou même une sandbox où on a besoin de la gérer. Il n'y a aucun besoin de gestion ou de mise à jour. Il n'y a pas de patch. En fait, c'est une solution qu'on met sur le réseau, on reçoit les fichiers, on assigne le fichier, on l'envoie à l'intérieur et on a zéro false positif, aucun risque d'erreur. On ne s'intéresse même pas au contenu malicieux. Donc, on n'est pas dans la recherche du contenu malicieux. En fait, on va extraire les données qui sont utiles, clean, et on va les mettre sur un fichier en sortie. Pas de contenu dynamique, pas de script, pas de plugin, pas de macro. Donc, ça ne génère absolument pas de fausses positives et ni de fausses négatives. Alors, en termes de mode de déploiement, essentiellement cloud, soit sur un cloud public ou un cloud privé.
Si vous avez, par exemple, une application que vous souhaitez utiliser l'infra de ForcePoint, donc vous pouvez, à travers les API, envoyer le fichier qui est uploadé vers le cloud de ForcePoint, analyser, vous aurez le résultat. Mais dans notre région, ce qui est demandé, c'est surtout des versions on-prem. Et là, on peut avoir une version software et vous devez fournir le hardware nécessaire pour l'installation de la solution ou on peut fournir et le software et l'appliance, ce qu'on appelle High Assurance Appliance, qui est généralement dédié à des environnements gouvernementaux dans le cadre d'une solution cross-domaine, mais ça peut être utilisé aussi dans d'autres environnements. Mais il faut savoir que le passage du software, enfin le coût du hardware est significatif dans ce cas, parce que c'est vraiment du hardware spécifique pour des environnements spécifiques. Alors, c'est une technologie qui est relativement récente, chez nous du moins. Elle est surtout adoptée dans les environnements financiers et gouvernementaux. C'est là, on va dire, où généralement les nouvelles solutions de sécurité sont d'abord adoptées dans les secteurs financiers et puis tout le monde par la suite suit. Parce que c'est là où on va dire où il y a le plus grand niveau de maturité en termes de cybersécurité. C'est là où, enfin, c'est un domaine où c'est, on va dire, c'est des clients qui sont une cible privilégiée parce que c'est eux qui ont l'argent. Un attaquant a surtout pour objectif de gagner de l'argent et l'argent, elle réside dans le secteur financier. Donc, c'est eux qui subissent les nouvelles attaques et c'est eux qui adoptent aussi les nouvelles mesures de sécurité. Et par la suite, c'est généralisé aux autres domaines. Donc, il y a une adoption de cette solution. Il y a une vague qui arrive chez nous en Middle East et probablement bientôt chez nous dans notre région. Pourquoi? Parce que, en fait, elle séduit les clients par sa simplicité. Elle séduit les clients par la gestion facile et par son efficacité. On n'est plus dans la recherche de menaces. Je reçois un fichier Word, je fais le nettoyage qu'il faut et à la sortie, j'ai un fichier dont je suis certain qu'il n'y a aucun risque, qu'il ne présente aucun risque. Donc, c'est une chose qui devient de plus en plus présente chez les clients. Alors, comment c'est appliqué en termes d'architecture? En fait, on a les use cases les plus communs, en fait, on en a trois. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Alors, les trois use cases les plus communs, enfin, la sécurisation du trafic web, protéger mes utilisateurs qui vont sur Internet et qui vont télécharger des fichiers. Rappelez-vous, on est efficace surtout sur les fichiers, on va dire, type Microsoft Office, PDF, Word, images, etc. Sécuriser les échanges email. Je reçois des emails avec des pièces jointes. Je veux m'assurer que les pièces jointes ne contiennent pas de code malicieux. Et sécuriser les applications clients. C'est le use case sur lequel on se concentre le plus. Vous avez une application bancaire dans votre réseau. Vous avez mis en place un WAF pour la sécuriser ou différentes technologies. Ce qu'on fait, nous, avec la CDR, c'est de se greffer sur votre WAF à travers ICAP. Alors, on parle de cas où vous avez une application où vous autorisez des uploads de vos clients ou de vos partenaires. Vous avez un client qui se connecte à son espace web dans votre application, il va uploader des fichiers. Ça peut être des scans, un scan de sa pièce d'identité, de son passeport ou un document. Il va envoyer un scan d'un document officiel, il va envoyer un fichier texte. Peu importe, dans votre application, dans la logique de votre application, il y a une section Upload où l'utilisateur, il peut être un client final, il peut être un partenaire, a besoin d'uploader des fichiers. Alors, au lieu de les uploader directement sur votre serveur, on va les faire passer par le CDR, éliminer tout ce qui est travail, tout ce qui... Enfin, éliminer, on va pas, ça se fait dans le sens inverse. On va détecter tout ce qui est contenu
normale, légitime, on va créer un fichier à la sortie qui est clean. Alors, on va voir tout ça en détail. Alors, le premier use case, c'est sécuriser le trafic web des utilisateurs. J'ai mes utilisateurs qui vont sur Internet, ils vont surfer, naviguer et ils vont éventuellement télécharger des fichiers. Ça peut être des fichiers Excel, des fichiers Word, des fichiers PDF, des images, peu importe le format. Et ces fichiers-là peuvent être malicieux, ils peuvent inclure des zero day et qui vont probablement bypasser vos mesures de sécurité, firewall, anti-malware, etc. En implémentant le zero day avec votre gateway, ça peut être une gateway web, ça peut être votre NG firewall, c'est le support LiqAPP. Donc, on peut faire en fait deux modes d'intégration en utilisant l'appliance GX qui s'intègre GX pour Gateway Extension, c'est-à-dire le CDR sera une extension de votre Gateway Web ou une extension de votre NG Firewall. Et l'intégration se fait soit via ICAP, c'est le plus simple, soit se fait en mettant la solution CDR inline. C'est-à-dire le trafic passe par cette solution. Et une fois que c'est fait, en fait, on va analyser les fichiers qui sont téléchargés et on va extraire le contenu utile et créer de nouveaux fichiers. Donc là, ce qu'on a en fait le gain immédiat, c'est qu'on a des fichiers sains, malware-free, quand on va naviguer sur Internet. Vous éliminez carrément toute menace, qu'elle soit connue ou non connue, sur tous les téléchargements web. Et en fait, on ne perd même pas de temps dans l'analyse ou vous n'avez pas à vous soucier est-ce que la solution est à jour ou pas. Et l'une des choses que la CDR fait aussi, dont je n'en ai pas parlé, c'est elle empêche l'exfiltration des données. Surtout dans un cas spécifique, c'est quand on utilise la stéganographie pour faire de l'exfiltration de données. La stéganographie, c'est le fait de cacher des données dans une autre. J'ai une petite démo tout à l'heure, en fait, une série de démos vidéo qu'on peut voir si on a le temps. Alors, la stéganographie, c'est qu'on va essayer de cacher des données dans une donnée en fait plus générale et essayer de bypasser les mesures de sécurité. La CDR, comme sa fonction primaire, c'est d'extraire le contenu utile, elle pourra voir justement ce contenu, cette exfiltration-là et empêcher l'exfiltration de données, que ce soit peu importe le canal sur lequel la CDR est activée. Deuxième use case, c'est l'email. Ça reste le vecteur le plus utilisé pour la propagation des attaques. Et en fait, quand on utilise un système email, on reçoit des emails généralement avec des pièces jointes. Sur les gateways email, généralement, surtout pour le secteur financier, la règle numéro une, tout ce qui est DLL, exécutable, MSI est bloqué. Donc on n'essaie même pas de détecter si c'est malicieux ou pas. Il vaut mieux le bloquer et si vous avez besoin d'un exécutable ou d'un programme spécifique, il y a d'autres moyens plus simples pour l'avoir que l'avoir en pièce jointe sur d'ailleurs un DLN, je ne vois pas ce qu'il fait sur un email. Donc pour ce volet là, c'est un blocage, on ne se pose pas de questions, on bloque. Mais par contre, sur l'email, ce qui circule, c'est surtout les fichiers Office et PDF, Word et tout ça. Donc, c'est ce qui est censé circuler sur les emails. Et en plus de l'analyse classique, on peut le faire passer par la CDR. Et ce qui va assigner aussi ces pièces jointes-là pour bloquer justement le téléchargement de fichiers malicieux. Donc, on a le gain des deux, c'est-à-dire supprimer le contenu malicieux tout en gardant, préservant la productivité parce que la donnée arrive quand même chez l'utilisateur. Et aussi, dans le sens outbound, on applique la technique de détection du contenu pour justement
détecter s'il y a du trafic qui est exfiltré en utilisant la stéganographie. Le troisième use case, et je pense que c'est le plus simple à implémenter et le retour sur investissement est immédiat et il est clair. Vous avez une application, enfin les use cases, j'en ai déjà parlé dans le slide un peu plus en avant. Vous avez une application web où il y a une section upload. Vous autorisez vos clients à uploader des fichiers vers votre application web. Généralement, les fichiers qu'on doit recevoir sont bien connus. Le format est bien connu. Quand on fait une section upload, c'est pas dans une application métier, c'est pas pour échanger tous les types de fichiers possibles. Ce n'est pas une solution d'échange de fichiers, mais on s'attend à un format bien spécifique avec des données bien spécifiques. Et en fait, en mettant là en place la CDR qui s'intègre avec votre WAF ou même avec votre application web, si vous le souhaitez directement, on va envoyer ce fichier vers la CDR, l'analyser, faire l'extraction des données. Et à la sortie, on a un fichier sain qui est envoyé, qui est stocké sur votre application ou qui est traité par votre application. Donc, c'est, on va dire, le use case le plus simple avec le retour sur investissement le plus efficace et le plus évident, on va dire. Y a des questions jusqu'ici? Alors, vous avez la possibilité de voir cette solution en action. Si vous allez sur le site DeepSecure ou même ForcePoint directement, vous avez la possibilité de tester un lien. Vous avez un lien pour tester justement la solution, comment elle fonctionne. Vous pouvez ramener vos propres fichiers et voir comment ils sont transformés par la technologie CDA. Alors, elle va utiliser le CDA Cloud de ForcePoint, mais c'est exactement la même technique, le même fonctionnement que vous aurez en premise. Donc, vous n'avez qu'à ramener votre fichier, faire un drag and drop, le mettre sur la solution CDA. Et de l'autre côté, vous aurez le résultat, vous aurez à télécharger le nouveau fichier et vous aurez la possibilité de comparer les contenus, qu'est-ce qui a été supprimé, qu'est-ce qui a été modifié. Si vous souhaitez ajouter des scripts dans vos fichiers texte ou dans vos images, donc vous aurez la possibilité de tout vérifier. Alors, j'avais prévu une petite démo pour vous dire, enfin pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, ça, c'est un environnement, par exemple, qui est cross-domain. C'est-à-dire, j'ai un réseau, on va dire, connecté à Internet. J'ai un réseau qui est complètement isolé. Ça peut être un réseau industriel avec tous les problèmes de l'ICS qu'on connaît. Donc, on a généralement des réseaux qui sont un réseau OT qui est complètement isolé du réseau IT, mais on a besoin de les faire communiquer. Et justement, pour les faire communiquer, on va mettre des appliances AX entre les deux qui vont autoriser, par exemple, dans le cas du cross-domain, la circulation du trafic du réseau connecté au réseau isolé dans un seul sens. C'est-à-dire, les données peuvent transiter dans ce sens, mais elles ne peuvent pas sortir. Et je peux aussi implémenter pas mal de mesures de sécurité sur ça. Et parmi les mesures de sécurité, c'est le CDA. Si je vais sur ce réseau, sur cette partie-là, alors, je vais télécharger ce document qui est sur le serveur HiSight Server. Donc, je vais télécharger un document PDF. Et dans ce document PDF, j'ai un script
Alors, c'est très simple, il va m'afficher le mot hack. Donc, dans cette zone, dès que je clique sur cette zone-là où je suis censé faire entrer des données, il y a un script derrière qui s'exécute et c'est un script qui est malicieux. Alors, comment si je vais sur l'autre côté, alors je vais sur le load side. Je vais me connecter au serveur, le même serveur, et je vais télécharger la price list. Et là, vous voyez, le script, en fait, le contenu malicieux a été éliminé. Si je clique, j'ai la possibilité d'écrire, mais il n'y a pas de contenu malicieux, il n'y a pas de script qui s'exécute, un script malicieux qui s'exécute. De la même manière, si je reviens vers le high speed, le côté high speed, je prends un autre format de fichier. Donc, alors 10.201. Je prends une image. Je la télécharge. Je l'appelle chat. Elle est dans le download. Si je vois, j'ouvre le fichier avec Notepad, je vois que j'ai un script qui est dans cette image-là. En fait, le script, qu'est-ce qu'il fait? Alors, si je change en HTML, oups. Le contenu de l'image n'est pas lisible, mais j'ai en fait une partie qui m'affiche ce texte. C'est censé m'envoyer sur le bbc.com.uk, mais je n'ai pas d'internet sur ce poste-là. Et en fait, c'est un script qui est simple. Dans une image, j'ai un script qui va lancer une connexion vers bbc.com. Ça peut être là. Tout type de connexion, ça peut être une connexion vers un serveur de commande d'un contrôle. Alors, qu'est-ce que la CDR dans ce cas va faire? Je reviens toujours à mon serveur. Image. Si je la télécharge. Je regarde le code et là, on a éliminé le script. Donc, en fait, c'est ça la CDR, son fonctionnement. C'est aussi simple que ça. Je mets une solution qui va analyser mon trafic réseau. On a plusieurs manières d'intégration. Ça peut être inline comme ça. Mais on peut avoir aussi une extension en mode extension gateway, une intégration en utilisant l'ICAP. On avait le use case, sécurisation du trafic web, sécurisation du trafic email, et puis sécurisation des uploads vers votre application métier. Voilà, alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Myriam, il y a des questions qui arrivent? Alors, sur cette. Ah, si, de toute façon, on est disponible sur commercial@spg.com.tn ou sur mon adresse mail si quelqu'un souhaite poser une question et répondre par la suite. Alors, je vais enchaîner avec des vidéos, des démos en mode vidéo.
Donc, des cas plus, on va dire, plus réels de fonctionnement de la solution. Dans ce cas, c'est bloquer un malware qui est échangé par webmail. Quelqu'un se connecte sur son Gmail, il y a un lien vers Dropbox, il va consulter le fichier en le téléchargeant. Alors, il a la possibilité de le télécharger. Et en le téléchargeant, en l'exécutant, on a un script qui vient avec, un macro qui vient avec. C'est un macro qui est malicieux. Donc, l'utilisateur est obligé de cliquer sur les messages qui affichent pour pouvoir accéder à son fichier, ce qui permet au code malicieux de s'exécuter. Alors, si on utilise la même chose avec la CDR, on va se connecter sur Dropbox et c'est quasiment instantané. Vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas de latence. Dès qu'il a saisi l'URL, ça s'est téléchargé. Enfin, le fichier s'est affiché. Et lorsqu'on le télécharge, que la CDR s'exécute. C'est au moment du téléchargement que la CDR s'exécute et c'est quasi instantané. Et là, on voit qu'il y a l'expérience utilisateur n'est pas impactée et en même temps, on n'a pas de contenu malicieux qui arrive chez l'utilisateur. Alors, l'idée, c'est simple. On fait l'extraction des données utiles, on va les mettre sur un nouveau document. C'est ce document-là qui est transféré à l'utilisateur. Et tout ce qui est code dynamique ou code qui est éventuellement malicieux, il n'est pas transféré vers l'utilisateur. Et ça peut s'exécuter sur plusieurs types de fichiers, on va dire les plus généralement les plus utilisés. Alors, on a vu le premier use case, c'était le webmail. Le deuxième case, c'est un téléchargement web et c'est quasiment le même principe. Le troisième use case, c'est la propagation de malware à travers les publicités. C'est quelque chose. Alors, les publicités qui sont incluses dans les sites web, c'est un problème. On bloque la catégorie publicité, ça va casser votre site web et donc créer un problème d'utilisation du web. Chez Forcepoint, on a une technologie qui permet justement d'éviter ce problème. On bloque la publicité tout en préservant l'expérience utilisateur. Mais les publicités sont un moyen connu aussi de propagation de contenu malicieux. Et la CDR peut aider aussi dans cette optique-là. Alors, on a téléchargé enfin, un contenu s'est téléchargé sur le PC. C'est clair qu'il y a une redirection vers un site malicieux. Sur la CDR, si on télécharge une image ou un fichier à travers la CDR, on va supprimer justement tout ce qui est redirection, tout ce qui est code malicieux, etc. Alors, la question qui pourrait être posée, je reçois par exemple un fichier Excel, il y a des macros qui sont dans ce fichier Excel et je souhaite préserver les macros qui sont dans les fichiers Excel. Il y a toujours la possibilité de créer des exceptions. Il est clair qu'on a la possibilité de créer des exceptions. Sauf que l'administrateur, là, il a la charge justement de bien limiter le scope de cette exception, parce qu'en fait, si on autorise des macros, ce n'est pas pour tout le monde. Si on doit mettre une solution pareille, c'est que je souhaite justement éliminer tout risque qui provient d'un réseau externe. Et si je crée des exceptions, ça doit rester une exception et restreindre un certain nombre d'utilisateurs. Alors, de façon générale, le fonctionnement est clair. On supprime, on garde tout ce qui est contenu non malicieux. Si je souhaite que dans un cas spécifique, désactiver ce fonctionnement-là pour un certain nombre de fichiers ou de sources destination, c'est faisable aussi. Le cas
Je pense qu'il pourrait intéresser le plus grand nombre, c'est le plus grand nombre, c'est comment sécuriser les pièces jointes sur mon système de messagerie. Donc, on va commencer par le PC de l'utilisateur externe qui va envoyer un fichier PDF vers mon utilisateur interne. Et sur ce fichier PDF, en fait, il y a des scripts qui sont malicieux. C'est le même fichier, en fait, qu'on a vu dans la démonstration sur GoForLabs. Fien, il y a Monsieur Moïse qui demande si tu as des use cases, des exceptions que tu peux démontrer. Là, tout de suite, j'en ai pas. Mais c'est si vous êtes intéressé par la solution, on peut faire un POC et la mettre sur votre réseau et on pourra justement voir tout ce qui est use case spécifique à votre entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra faire si vous êtes intéressé par cette solution. D'accord. Et une autre question de Monsieur Carlewi, donc CDR, est-ce qu'il se base sur signature ou comportement et comment il fonctionne et détecte les malwares et les zero day? Alors, justement, toute l'idée est là. Il y a aucune analyse, il n'y a aucune analyse ni signature ni comportementale. On ne le fait absolument pas. On fait l'extraction des données. Comme c'est montré sur ce slide-là, on va faire l'extraction des données utiles. On va supprimer tout ce qui est contenu qui peut être malicieux. Pas forcément malicieux. On ne détecte pas le contenu malicieux. Ça peut être des macros, ça peut être des scripts sains. Mais on ne va pas les transférer vers le nouveau fichier. Donc, l'idée, c'est de faire l'extraction des données qui ne constituent aucun problème, qui ne constituent aucun souci, les mettre dans un nouveau fichier. Tout ce qui est script, tout ce qui est macro, tout ce qui est contenu dynamique, on ne va pas faire l'extraction de ce contenu, on ne va pas le mettre sur le nouveau fichier. Donc, on n'essaie absolument pas de faire de la détection, on n'a aucune connaissance. Si le contenu qui a été supprimé est malicieux ou pas, il peut être malicieux comme il peut être sain, mais comme on est dans le principe du zero trust, au moindre doute, on va éliminer justement ce contenu qui pourrait éventuellement être malicieux. Donc, pas de détection par signature, pas d'analyse comportementale. On reçoit un fichier en entrée, on fait l'extraction des données utiles, on crée un nouveau fichier sain. Et on l'envoie vers l'utilisateur. Alors, un use case très intéressant, c'est l'exfiltration par sténographie. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que j'ai des données CSV qui sont simulées, on va dire, qui sont cachées dans une image. Il y a des outils justement qui peuvent simuler des données dans une image ou dans un autre fichier. On va voir que sans la CDR, le fichier sort. L'utilisateur à l'extérieur va recevoir cette image-là et il va faire l'extraction du fichier CSV. Et justement, grâce à la capacité de détection du contenu, la CDR, quand on utilise la CDR, justement, on pourra faire l'extraction de ces données-là et on va dire, on va les supprimer du fichier. Il ne restera que l'image initiale. Alors, Bob reçoit l'image, il va la mettre, il va utiliser un décodeur justement pour l'extraction des données. Et à la sortie, il a son fichier CSV qui contient des données personnelles, nom, prénom, numéro de carte. On peut y mettre tout type d'informations. Alors, si on utilise la CDR,
Alors, dans ce cas, quand on utilise la CDR sur le canal email, on doit être en mode inline. Ce n'est pas en ICAP. C'est comme une gateway email. C'est un relais SMTP qui va recevoir les emails, les traiter, puis le transférer vers l'email gateway principal. Donc, on doit avoir un chaînage de gateway email. Ça introduit évidemment de la latence, mais ce n'est pas significatif et ça ne pose pas de problème dans le cas des emails parce que c'est vraiment quelques millisecondes qui n'influent pas sur le transfert de l'email. Alors, cette fois, la pièce jointe qui est reçue quand elle est décodée, en fait, il n'y a aucune donnée. C'est complètement sanitized, c'est complètement clean. On a éliminé tout ce qui est données utiles. Donc, on protège nos utilisateurs des fichiers malicieux qui peuvent arriver sur le réseau, mais en même temps, on a la capacité d'éliminer tout ce qui est sténographie et exfiltration des données. Et là aussi, pas de signature, pas d'analyse dynamique, c'est l'extraction des données utiles. Et justement, toute la puissance de la solution de Foxpoint, c'est dans cette, on va dire, précision, dans cette efficacité, la capacité de détection du contenu et de ne pas avoir justement du contenu utile qui est perdu. Le dernier use case, c'est avoir une application où on a un upload de fichiers qui se fait. Et alors, dans cette application, l'intégration, elle fait avec la CDR Cloud de Foxpoint. Alors, on va connecter la solution à travers API. C'est un S3 sur AWS. On va faire un upload du fichier et derrière, en background, il y a une analyse qui est faite pour justement éliminer tout ce qui est contenu malicieux dans les fichiers qui sont uploadés. Alors, la démonstration ici, elle est faite dans le cloud. Si quelqu'un a des S3 buckets sur le cloud ou utilise AWS, ça peut être utile. Mais le cloud, le cas le plus général chez nous, c'est d'avoir la solution on-prem et on va connecter le CDR à votre gateway. Ça peut être le NG Firewall, ça peut être le WAF à travers ICAP et rediriger les fichiers vers le CDR en utilisant ICAP. Chose qu'on fait surtout par exemple avec F5, si vous avez un WAF F5 ou un LTM ou un domaine des contrôleurs dans votre virtuel server, vous avez la capacité d'envoyer des fichiers à travers ICAP vers une solution tierce. Et cette solution tierce, ça sera le CDR pour la sanitisation des fichiers. Alors, c'est là où la finalité, on va placer un fichier malicieux dans le S3 bucket. Et c'est toujours notre fameux fichier. Et derrière, en background, la CDR va opérer pour justement éliminer ce contenu. Alors, Sofiane, il y a eu une question de Monsieur Chibeni. Donc, si la pièce jointe est protégée par un password, l'extraction des données utiles est toujours possible? Non. Alors, il y a deux choses qui sont protégées. Alors, soit le macro dans le fichier est protégé par mot de passe, et là, on va supprimer tout le macro, donc on va pouvoir faire l'extraction.
Mais si tout le document est protégé par password, donc là, ce n'est pas possible d'accéder au contenu. On n'a pas la capacité de faire la sanitization. Et là, on revient à la question. Selon la politique de l'entreprise, elle doit statuer si elle accepte ce genre de fichier ou pas. Donc, généralement, ça dépend de la source. Mais enfin, pour éviter tout risque, généralement, ces fichiers qui sont protégés par mot de passe ne sont pas acceptés justement pour éviter que nos contrôles de sécurité ou nos mesures de sécurité soient bloquées. Sur la sandbox, en fait, quand un fichier protégé par mot de passe, on va essayer de faire du brute force pour accéder à la donnée. Mais ça reste du brute force, on n'a pas la garantie de réussir. Donc, malheureusement, quand un fichier est protégé, on n'accède pas au contenu et voilà, il faut faire la décision de bloquer ou d'accepter le risque et d'autoriser. Voilà, c'était la dernière démonstration, la dernière vidéo. Alors, le concept est très simple à expliquer. Ce n'est pas une solution d'analyse, ce n'est pas une solution de détection. On est en plein dans le principe de zero trust, c'est-à-dire on va tout analyser et on n'assume pas que le contenu est sain. On va faire l'extraction des données qui sont utiles. Et créer un nouveau fichier à la sortie qui est sain et qui est transmis sur mon réseau. Pas de détection, pas de signature, pas d'analyse comportementale. En termes d'intégration, soit en offline, on n'est pas sur le chemin du trafic, donc à travers ICAP, avec votre gateway qui peut être la gateway email, pardon, pas de gateway email, pour le trafic web, votre NG Firewall ou votre gateway web. Pour ce qui est email, on doit être en mode inline. Donc, le deuxième mode de fonctionnement, c'est le mode inline. La solution CDR, elle est derrière la gateway email et tous les emails vont transiter par cette gateway et on va analyser les fichiers. Alors, en complément de la question sur le mot de passe, si j'ai mon CDR qui est derrière ma gateway email et entre la gateway email et entre le serveur Exchange, il est clair que le SMTP doit être en clair. Si on a un SMTP qui est chiffré, on ne va pas pouvoir analyser le contenu. Donc, ce n'est pas une solution. Enfin, si c'est chiffré, c'est chiffré. On ne peut pas voir ce qui est là-dedans. Donc, même en termes de configuration, d'architecture, il faut prendre ça en considération. Ce n'est pas une solution pour tout ce qui est exécutable et programme. C'est une solution qui est efficace sur des fichiers qui contiennent des données Office, Word, Excel, PDF, les images, sur des fichiers de ce genre. Ce n'est pas des exécutables, on n'analyse pas les fichiers exécutables, on n'analyse pas les DLL, etc. Voilà, donc les use cases sont clairs. Surtout dans le secteur bancaire, vous avez vos applications qui autorisent l'upload et les fichiers qui arrivent sont connus, le format est connu, le contenu est connu. Même pour un proof of concept, c'est très simple à valider. On le met en place dans un environnement test, on fait des uploads et on voit le résultat que ça donne. Est-ce qu'il y a une perte de données ou pas? Et jusqu'ici, on n'a pas de perte de données, mais on a toujours la capacité derrière de personnaliser la solution, de l'adapter à certains environnements. Donc, n'hésitez pas si vous avez forcément ce genre de d'application, vous avez des uploads qui se font sur votre système d'information. Donc, n'hésitez pas à revenir à l'équipe SPG, à moi-même, on pourra justement vous accompagner pour mettre quelque chose en place et vous allez voir par vous-même l'impact dans votre environnement. Voilà, Myriam, pour moi, j'ai Merci terminé la Sophie. présentation. S'il y a des Merci questions, pour je serai cette très heureux belle d'y répondre. présentation. Je t'en prie, je t'en prie. Donc, avez-vous des questions?
Monsieur Dame. Donc, pas de questions pour le moment, mais n'hésitez pas à nous envoyer un mail s'il y a des questions à nous poser. Donc, merci encore pour votre participation au webinaire d'aujourd'hui. Merci, Sofiane. Donc, Inch'Allah, on se retrouvera le lundi 25 avril pour entamer la troisième semaine de SPG Cyber Security Days. Donc, on se retrouve lundi pour un webinaire avec notre partenaire Sophos, dont le titre est « Le facteur humain au centre de votre stratégie de cybersécurité ». Encore merci pour votre participation. Bonne fin de journée. Cheikh Taïba, bon week-end. À lundi, Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir. Bye bye. Au revoir.